Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir tout simplement le coller ici. Là, par contre, avant, je vois qu'il y a des bouts de double face qui dépassent un peu. Donc je viens les couper. Je repasse un peu de distress. Voilà. Et là, je vais venir coller. Alors. Peut-être qu'il faudrait que j'attende que ça refroidisse. Puisque là. Ah, ça y est. Hop. Là, je viens me caler. Et je viens coller le reste. Je vais y arriver. Donc, on enlève tout ça. Alors, il est un peu fondu le double face quand même. Pour le coup. Il y a des endroits, il est un peu fondu. Hop. Et là, je viens appuyer. On n'appuie pas trop hein, sur les angles. Là, j'appuie pas, hein, c'est juste le. Mais j'appuie pas. Donc là, et là, je viens bien appuyer. Voilà. Ça commence à prendre forme. Hein. Moi, j'aime bien. Donc ça, ça. Donc du coup, pour voir la dimension du cadre, je vais y arriver. Bon, je vais prendre que ça. Je viens me caler là. Hein. Je tiens. Et là, je vais mesurer combien il va me falloir. Donc là, avec 20, c'est bon. Puisque là, si je mesure 20, ça va m'arriver là. Donc c'est bon. Et si je fais du 20 sur 20. Et là, on va cacher les angles. Ça ferait du 19. 19. 19. Et là, le 19, il ferait. Donc, je vais faire du 19 sur 19. Un cadre de 19 sur 19. Par contre, avant, il faut que je regarde quand même si mes papiers correspondent. Parce que du coup. 19 sur 19, j'ai dit. Ouais, le 19 tombe sur la machine. Ouais, ça tombe sur la porte. Bah, du coup, je vais prendre ça. Et là, sur 23, ouais, ça va tomber là.
Ah ben non, sur 19, je suis bête. Ça va tomber là-dessus. Bon, donc je vais prendre en fait cette partie-là. J'ai quand même regardé sur l'autre aussi. Du coup, on ne sait jamais. Donc le 19, il m'arrive là. Sur 19. Aussi, hein, ça peut le faire ce côté-là. Non, mais je vais prendre ce côté-là. Et je sais, je change beaucoup d'avis, mais... 19 sur 19, voilà. Donc, du coup, par contre, avant, je vais quand même regarder parce que on va faire un cadre. Donc, qui dit cadre, dit qu'il va y avoir des rebords dessus. Donc là, ça fait ça, et là, ça fait ça. Voilà. Donc, je vais couper mon papier. Comme ça, je l'aurai préparé. Donc, de 19 sur 19. Et en plus, je verrai comme ça ce que ça me donne. Sur 19. Alors là, je me sers de mon côté là. Donc je pars à 19. Normalement, je devrais être bonne. Sur 19. Et voilà. Que ça va donner. Donc, il va venir comme ça. C'est cool. Et donc, du coup, il va y avoir la porte dessus. Là, là. Là. Et du coup, ça va pas cette porte. Parce que du coup... il faudrait qu'elle soit là, la porte. Hop. Il faudrait qu'elle soit là. Ou alors, tant pis, je le décale. Je vais juste faire un petit trait au crayon à papier, là. Puisque c'est là qu'il faut qu'elle soit. Et donc. Donc à 1 cm en fait. À 1 cm du papier. Donc je le cale bien. Parce que c'est important que ça arrive à peu près au même niveau, là. Ouais. Et bien, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cadre de 20 sur 20, tant pis. Et puis, voilà. C'est mieux. Comme ça, je tomberai pile poil. Donc, pour ça... je vais découper un bout de carton de 20 sur 20. J'ai perdu mon cutter. Ah. Donc.
là j'ai le choix où je viens coller mon image dedans et après je viens mettre d'autres cartonnettes pour faire un cadre, ou je découpe ce cadre. Donc voilà quoi. Si je fais ça, ça va faire trop d'épaisseur après, par contre. Il y aura ça et la porte dessus. Quoique non, ça va le faire. Moi, j'aurais préféré, j'avais fait un essai là, le doubler comme ça, le carton. Ouais, ce sera mieux comme ça. Donc, du coup, à moins que je me serve des bouts comme ça, ça peut le faire aussi. Comme ça, j'utilise les chutes. C'est pas mal aussi. Bon, donc, excusez-moi. Je vais venir couper à l'intérieur de la cartonnette. Je vais faire un cadre de 2 cm. Donc, je vais me mettre à 2 cm. Je vais le faire comme ça, mais je vais venir me placer sur le 18. Et là, jusqu'au 2. Je trace juste là. Et pareil, pour les autres côtés, je me mets à 2 cm. Je me mets à 18. Encore faut-il que j'y vois. 18, hop. Et là, à 2. Pareil, 2 cm à 18. Enfin, ou à 2 et après vous descendez jusqu'au 18. Ça, c'est comme on veut. Et pour l'autre, pareil, à 2. 18. Et 2. Voilà ce que ça me donne. Si bien, vous pouvez très bien le tracer et, au crayon et après le couper. Vous faites comme vous vous sentez. Et là, je viens finir de découper. Moi, c'est ma solution pour pas trop, pour être sûre d'être à peu près droite, en fait. Vous voyez ? Comme on avait la règle, je suis capable de le faire glisser encore. Donc, on obtient le 4. Du coup, voilà notre cadre, il va être là. Et donc la porte devrait venir ici. On a dit, voilà, comme ça. Donc, je vais venir prendre donc des chutes de cartonnette. Et du coup, je vais les couper de 2 cm de large. De long. Voilà. Et on va faire le tour comme ça, tout le tour, et on va le coller du dessus et après on viendra l'habiller. Donc encore 2 cm.
l'enlever. Et même là, j'allais partir en travers. Donc, pour l'autre côté, donc je fais les deux longs côtés. Et là, celui-là, il va pas. Bien sûr, il va pas. Là, je regarde dans les chutes, du coup. Une chute plus petite, 4 cm sur. Mais voilà. Donc je vais prendre cette chute là. Donc je vais mettre 2 cm. Et donc sur 18, puisque non, même pas 16, oui, 16 cm, puisqu'on enlève 2 cm de chaque côté. Celui-là, pourquoi est-ce qu'il est pas droit? Hop. Donc là, 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 et pareil, un autre bout de 2 cm sur 16. Donc je me colle à 2 cm. Coupe. Hop, sur 16. Non, voilà. Je vérifie. Donc, notre cadre là, il est prêt. On va pouvoir l'habiller. Donc, je vais faire au double face. Je ne vais pas m'embêter. Puisque de toute façon, on va venir l'habiller après dessus. Donc, du coup, ça ne se verra pas. Et en plus, ce sera bien maintenu. Donc. Je vais coller le double face. Là, bon, ça, on va le couper. Et pareil. Là. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, là.
et donc là, on va venir coller tout simplement en essayant d'aller droit. Donc, je me mets bien au bord. Et j'appuie. On fait pareil pour les autres parties. Je vais vérifier que ce soit bien droit quand même. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous pourriez très bien le faire avec un cadre photo fin. Ce serait possible aussi. Voilà. Celui-là. Pareil, il faudrait que je vérifie tout. C'est bon. Je vais devoir télécharger après parce que sinon ça va pas passer. Je finis ça là et après on va télécharger. Donc voilà. Et le dernier. Pile-poil. Bien sûr. Donc voilà, mon cadre il est prêt. Après, j'ai plus qu'à venir mettre mon papier dessous. Là, je mettrai sûrement quelque chose. Hein. Je vais télécharger parce qu'après, ça va couper et ça va mettre un certain temps. Je télécharge, on continue après. Donc pour la suite, on va habiller le cadre avec du bois. Ou un fond, je sais pas, et puis on va continuer. Donc je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc maintenant me revoilà puisque la dernière partie était trop longue, donc du coup j'ai dû encore la couper. Donc on en était, on avait fait le cadre, voilà. Donc maintenant ce cadre là je vais venir l'habiller. Et à mon grand regret, pour habiller ce cadre et qu'il ressorte bien, je n'ai envie de mettre que ce papier-là parce que je le trouve trop beau et je pense que c'est celui qui ira le mieux. Voilà, parce qu'il relèvera du coup le bois là. Je vais vous montrer le bois. Et l'image à l'intérieur. Mais le problème, ce qui me fend le cœur, c'est que derrière, c'est juste magnifique. Voilà, donc, mais j'ai beau tourner, regarder tous les papiers que j'ai, il n'y a que celui-là que je vois pour le cadre. Donc, tant pis, on va sacrifier le derrière. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour habiller mon cadre, je vais vous le faire très simple. Vous avez le choix. Ou vous faites avec des chutes de papier que vous venez coller tout autour. Voilà. Mais il faudra quand même venir avant le recouvrir en noir. Ou en craft, tout ce que vous voulez. Ou alors, moi, ce que je pense que c'est le plus simple pour les débutants, toutes celles qui ne savent pas trop le faire encore, c'est de venir coller carrément comme ceci et après de l'habiller. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, comme ça... les débutantes pourront le refaire sans dire oh mon dieu je vais pas y arriver. Voilà, parce que jusqu'ici c'est simple, même si vous pensez que c'est compliqué, c'est quand même, je pense que c'est assez simple. Bon, je n'ai pas fait super compliqué, donc
Je vais faire attention quand même si je peux garder un petit peu ces côtés-là. Vous êtes trop haute, pardon. Là. Parce qu'il y a les charnières et que ça peut servir après pour des chutes de papier. Même si je vais devoir les couper un peu, je vais essayer de pas trop les couper. Donc du coup, je vais venir me mettre à 2 cm. Donc je retourne mon papier. Quoique sinon, je peux le faire en bas. Ah non, parce que là, du coup, oh là, je vais venir me mettre vers le bas plutôt. Donc, oh, je retourne mon papier. Malheureusement. Hein. Et donc, du coup, là, je laisse la bande parce que du coup, ça me fera ça de gagner sur le papier. J'ai mis le double face derrière. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Donc, j'en ai tout ça. Là, ça me fend le cœur. Mais bon. Quand j'ai une idée dans la tête, après, je le vois comme celui-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire avec un autre. Il n'y a pas de souci, hein, forcément. Hop. Hop. Et hop. Donc, hop. Là, je vais regarder, puisqu'il m'en faut au moins 2,5 cm. Donc, je vais venir me placer ici. Ouais, pas trop le choix là. Hop. Et je viens appuyer. Donc je retourne et j'appuie bien partout que ça colle. Donc là, je vais venir le faire en massicot pour essayer d'être à peu près. De garder le plus de. Comment dire? Ah oui, mais non, ça va pas là. Ça va pas aller. Je voulais essayer de le faire le plus net possible, mais ça va pas. Voyons ce que ça me fait là. Et oui, je sais qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour économiser le papier. Donc là, je suis à 2,5. Ouais, voilà. Donc je vais venir couper là. Là, pareil. À peu près à 2,5. C'est de l'à peu près, hein, après. Et pareil, de l'autre côté. Hop. Donc, voilà. Et oui, ça fait mal, mais bon. Et là, du coup, je vais venir couper en biais. Je vais faire une croix. Voilà. Et là, j'aurais pu couper un peu moins cela. Bon, de toute façon, c'est fait. Mais sans pour autant, je vais jusqu'au bout, mais je laisse un peu de marge quand même. Donc voilà. Et donc là, tout simplement. Quoique j'aurais pu faire. On va d'abord faire les angles.
Donc, pareil, moi, je reprends mon petit appareil magique. Je coupe. Et on va faire les angles d'abord. Ce sera plus simple. Vous voyez comme c'est super facile de faire les angles avec ça. Donc voilà. Donc, on va venir plier chaque côté. Donc, vous voyez, je lève. J'appuie. Là, il est un peu court celui-là, par contre. Il est un peu court. Mais bon, c'est pas grave. Et là, celui-là, il est un chouïa trop long. Donc celui-là, je vais le recouper un tout petit peu. Voilà. Là. Donc voilà, je vais venir mettre du double face. Je le fais à la colle. Je vais le faire à la colle directement. Ouais. On va le faire à la taquiglu directement. Donc là, par contre, j'en mets bien au, contre la cartonnette. Hein. Donc là, hop, on appuie et tout en tirant, hop, c'était évident que j'allais en mettre partout. Vous voyez, j'appuie bien là, vraiment sur le bord que... Et en fait, du coup, là, on est en train de faire le cadre. On l'habille. Donc, je vais coller l'autre côté. Pareil. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Puisque là, je pars vendredi matin. Ah, vendredi après-midi. Je vais à la mer et du coup, comme j'y vais pour bosser, je pourrai pas filmer là-bas. Et de toute façon, c'est pas le genre de truc qu'on prend là-bas à la mer. Donc là, vous voyez, je suis en train de rentrer les angles. Et pareil, on va mettre de la colle. Et donc, du coup, vu que demain, je dois faire le ménage, préparer les affaires et tout, je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir avancer encore dessus. Donc, je ne peux pas vous promettre de le finir là, aujourd'hui. Encore moins demain. Donc là... Il est un peu trop court là. Essayez de ne pas faire comme moi. Du coup, l'angle là, il ne veut pas bien se mettre. Ah oh, ben en plus. Heureusement que c'est le derrière. Hein. Oui, donc je vous disais que ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le continuer ces prochains jours. Parce que du coup,
je serai occupée à la mer, à tout mettre en place. Donc du coup, voilà. Donc pas d'inquiétude. Au moins, ça vous laissera le temps de tout revoir pour celles qui veulent le commencer. Bien sûr, on essuie. Donc voilà, derrière c'est prêt. Et maintenant, on va venir faire pareil, mais à l'inverse. Bien sûr, on va couper là. Mais on va venir pareil coller. Donc je le reprends. Essayez de bien partir dans les angles. Vous pouvez même vous aider avec la règle. Donc on appuie, on marque bien les plis. Donc voilà ce que ça va nous donner en fait. Du coup, et pareil, pour l'autre côté. Donc voilà. Et là, on va venir couper un petit peu. Donc bah, je vais le faire comme ça, hein, mais... parce que ça c'est le derrière, de toute façon c'est pas caché, donc... le tout c'est que ça dépasse pas bah, de l'autre côté. En travers. Voilà. Et pareil, on vient coller. Bon, pareil, je le fais à la glu, à la taquiglu. Vous pouvez le faire au double face si vous voulez. Comme vous le sentez. Pareil. On essuie au passage. Hop. On colle bien par contre. Et on continue ainsi de suite. On va bien jusque dans les bords, dans les angles. Et on appuie. Voyez ce que ça donne du coup? Après, bien sûr, que sûrement qu'on le décorera un peu en finissant la déco. Hein. Mais bon, en attendant, ça fait son petit effet.
Oui, je préfère en mettre beaucoup de colle pour que ça tienne en fait. Mais du coup, j'en ai un peu trop mis quand même. Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est le derrière, ça se voit pas. Puis je veux que ce soit bien tiré le papier. Et le dernier morceau, on appuie bien et on plaque. Et là, notre cadre, il est prêt. On n'a plus qu'à venir coller notre image. Et puis ce sera nickel. Donc, par contre, là, ça fait du 1 cm. Je vais le coller comme ça plutôt. Donc du coup, je vais me servir du double face. Hop, pardon. Fin. Non, je vais ancrer d'abord. Au moins, ce sera fait. Donc, je vais ancrer avec la vintage photo. Pour que ça ressorte encore mieux. Bien sûr, je viens ancrer l'intérieur aussi. Bon, alors là, c'est pareil, c'est toujours une affaire de goût. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, là. Et donc là, je vais vérifier qu'il fasse 1 cm. Ah ouais, non, il fait 1,2. Là, ça fait 19. Ce que je vais faire du coup pour être sûr de ne pas me louper, c'est que je vais venir le mettre au bord, le double face. Comme ça, je suis sûre que ça ne se verra pas sur mon image à l'intérieur. Donc, je viens à ras. On pourrait aussi y mettre de la colle, mais là j'ai pas envie d'en mettre partout sur l'image, et comme je me connais, je préfère prévoir. Hop. Non, je vais pas y arriver.
Bon, ben c'est l'autre côté. Voilà. Alors, si on veut, si on va mettre juste un filet de colle, mais pas trop près du bord quand même, au cas où. Voilà. On ne sait jamais. Et donc là, ben, je vais venir me caler. Et on appuie. Ouais, je suis un peu pas mal décalé du coup. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Le principal, c'est que j'ai pas loupé l'image. Qu'on la voie bien l'image. Voilà. Par contre, du coup, il va falloir que je vienne couper là. Voir. Là, bien sûr, je vais rentrer là. Du coup. Ah, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, j'appuie. Et là, du coup, je vais venir rajouter du double face derrière. En essayant de ne pas trop dépasser. Donc là, je fais avec des chutes, du coup. Donc voilà. Je vais juste mettre un tout petit bout ici. Vous voyez pourquoi je garde les chutes? Ça sert toujours. Après, pareil, on peut très bien le faire à la colle. Après, pour le coller sur la couverture, je rajouterai d'ailleurs peut-être un peu de colle. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, le cadre il est fini, il n'y a plus qu'à le coller. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si jamais vous voulez, vous pouvez aussi mettre du... Moi je ne vais pas le faire du coup, parce que après je vais peut-être venir le travailler en 3D tout ça. Mais vous pouvez mettre... comment ça s'appelle? Vous savez le papier transparent là? Ah. Pour faire les shakers. J'ai perdu le nom. Là, ça me reviendra. Je le connais, hein, quand même. Bon. Vous m'avez compris. S'il faut, ça me reviendra dans 5 minutes. Donc, je vous montre. Voilà le cadre. Ce que ça va faire. Donc, on aura... Oups. Les portes. Et quand on ouvrira les portes, on ouvrira l'album et celle-là, on découvrira le cadre. Voilà. Donc, avant de le coller, on va venir faire... mais par contre, là, je vais devoir télécharger parce que celle-là plus l'autre, après, ça va dépasser les 1 heure. Et donc, je serai encore obligée de faire 2 parties. Donc, on arrête là. Je télécharge et puis on reprend pour faire la suite, pour faire la petite porte et tout. Ben, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à tout à l'heure. Bye bye.